Oh, stationnement en contresens là, Kéké. Il y a une voiture à contresens. Non, elle, c'est pas elle. Oh la racaille. Le pauvre gars dans la rue qui se fait arrêter en plein milieu de la route en mode « Vous êtes à contresens, monsieur ?» Non. Moi, je n'ai rien fait. Ok, comment je te rejoins ? Alors attends, vous avez obtenu le DLC véhicule tout-terrain urbain UTV. Oh, c'est la voiture de patrouille la plus imposante. Est-ce qu'on s'en fout un peu ? Oh non, j'ai pas le DLC ! Oh non ! Oh non ! Comment ça, résolution 1024 sur 708 ? Mais tu m'as pris pour un pauvre ? Je veux une vraie résolution, là. Je veux du 2560 sur 1080. Ah, non, sur 1440. Le youtubeur qui ne se sent plus pété. Mais j'ai un vrai écran, maintenant. Kéké, ça fonctionne ! Invite-moi ! Et vous savez, les gars, alors, vous connaissez peut-être pas, parce que, bon, vous avez tous 10 ans et vous ne connaissez pas la dure vie d'adulte. Est-ce que vous avez vu l'augmentation du prix du filet de poulet ? Parce que moi, je l'ai vu. Et moi, j'ai mal au cul. Déjà, je suis allé à l'Intermarché l'autre jour et j'ai fait, bon, le filet de poulet qui est en mort à 8€ le kilogramme, il est passé à 12€, c'était un scandale déjà, ça se voit du fada. Et je me suis dit, bon, le filet de poulet au marché, il est à 16€. À 4€ près, autant prendre un bon filet de poulet fermier du boucher, quoi. Ouais. Du coup, je fais, aucun pas de souci, je vais aller récupérer le filet de poulet du boucher. Je fais, bonjour, je vais vous prendre 1 kilo de filet de poulet. Ah, pas de souci, 24€. Pas mal. J'ai demandé 1 kilo de filet de poulet sans la pipe, hein. Oui, 24€. Ok. Ok. Prenez la carte de crédit par hasard. Impossible de rejoindre une session multijoueur avec votre profil actuel. Veuillez d'abord créer ou charger une sauvegarde et vous assurer d'être affecté à un district avant d'accepter les. Ah, il faut que tu fasses la première mission, je crois. Bah, tu sais quoi, je vais la faire en même temps que toi. On va se faire un nouveau perso en même temps. Ok. Bonjour, agent. C'est votre premier jour de travail et votre première patrouille consiste à donner des contraventions pour stationnement. Cette personne vient de traverser illégalement. Où ça ? Où es-tu ? Les flics se font vraiment chier dans ce monde, hein. Monsieur ! Faut attendre le feu rouge, hein, s'il vous plaît. Agent de police, demande deux pièces d'identité. Faites voir moi votre pièce d'identité, s'il vous plaît, madame. Je suis dans la merde, j'étais un inconnu. Mais non, déjà. alors du coup, je lui ai pas mis d'amende pour sa pièce d'identité périmée. Par contre, madame, vous avez fait une traversée illégale et ça, c'est une contravention de 25€, hein. Combien ? Vous êtes pas passé sur le passage piéton, c'est 25 balles. Je vous ai donné des contraventions. Putain, j'ai toujours envie de faire ça. Ah, mais moi aussi. Et si je mets une contravention à une voiture qui n'a rien fait de mal, ça fait quoi ? Eh bah, tu perds des points. Mais le gars payera quand même. Attends, quoi ? La vérification des antécédents de cette personne indique qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Car elle est recherchée pour crime ? Vous devez menotter, arrêter cette personne ! Encore un boulot pour l'officier Sarriou de la gendarmerie régionale. Contravention donnée, non-respect du feu rouge. Moi, c'est Sarriou, gendarme de la ville de Chazelles-sur-Yon depuis 2 semaines. Et aujourd'hui, je vais arrêter mon premier crime. Madame, je suis désolé, mais j'ai vérifié vos antécédents et vos documents. Vous avez un mandat d'arrêt, vous êtes recherché. Non, don't, Mister l'agent. Oh, tu vas bien mettre les menottes, madame, je vais appeler la police, ok ? C'est moi, la police. Alors ça, c'est janvier 2022. Nous sommes en novembre 2022, fils de pute. Toi, tu prends une amende. Et je suis en train de kiffer ma vie premier degré, là, par contre. Mais j'adore ce jeu. La première fois que je l'ai fait, j'étais trop bien. Tu verras, parce que là, pour l'instant, on a que des contraventions. Mais genre, après, t'as des accidents de voiture devant toi, tu dois gérer l'accident. Je m'en bats les couilles. Moi, mon seul but, c'est de casser les couilles à la France entière. Je serais vraiment le pire flic, hein, moi. Oh, bah dis donc, votre parc-mètre est expiré, monsieur. Tu prends une contravention. Attention, vérifie si c'est pas un véhicule handicapé. Enculé, l'handicapé. Ah, putain, merde. Putain, je déteste les handicapés. Je déteste les gens qui savent pas marcher, là. C'est vraiment un gros problème de notre société. Oui, moi, j'en ai marre d'être traité différemment parce que je suis handicapé. Ouais, bah, paye le parc-mètre, alors. Non, mais les amis, j'ai le droit de parler des handicapés. Je le suis aussi. J'ai eu 3 au brevet. Parler, j'ai pas eu le brevet. Non, mais par contre, je dois déposer combien de voitures avant de pouvoir te rejoindre, là ? Là, on a 15 minutes de trucs à faire, mais on peut retourner à notre poste de police pour arrêter la mission et partir en multi directement. Bah, carrément, oui. Mais du coup, attends, tu joues un officier féminin ? Je ne joue que des femmes dans les jeux vidéo. Cette personne vient d'abandonner ! Mon Spider-Sense s'est activé ! J'étais dans le truc, j'ai apparemment quelqu'un a abandonné des déchets ! Où es-tu ? Où es-tu ? Pistolet paralysant, t'es où, connasse ? Oh putain, non, je vais être un policier sexiste, ok, Lyon. 8 morts, 6 blessés. Alors ? C'est le collègue bien relou, là, tu sais, à chaque fois, il mate ton boule. Le profil demandé n'a pas pu être trouvé dans le système. Eh ben madame, j'ai bien fait de vous taser, hein. Tous les citoyens de Brighton sont enregistrés dans la base de données de la vérification des antécédents. Cependant, la pièce d'identité de cette personne ne dispose d'aucun profil, ce qui indique qu'elle est en possession d'une fausse pièce d'identité. Madame, vous me prenez pour un con. Je dois vous fouiller, madame. Cette personne semble nerveuse, je vais te palper. Alors qu'est-ce qu'elle a dans les poches? Un couteau à cran d'arrêt? Mais madame! Oh là là, les donc, mais qu'est-ce que c'est que ce canif, madame? Attention, canif ou couteau à cran d'arrêt? Canif. Ah, parce que si ça te met que c'est pas illégal, c'est pas illégal. Bah, dans le doute, je vais quand même le mettre en garde à vue. Bon, y a pas un connard là aussi que je pourrais choper? Ça fera un petit couple dans la voiture.
Jean Kéké, ça se passe comment de ton côté? Chut, le RP. je viens encore de perdre 15 points de CP parce que j'ai fouillé des personnes dans le vent. Wow! Le chat, j'ai pas rêvé! Ma jambe s'est bien envolée là pendant une fraction de seconde! La mission est finie! Oh, c'est bon, je suis là! Oh oui! Ok, on va à North Point ou à Beaufort Landing? Historiquement, Beaufort Landing compte parmi les quartiers les plus importants de Brinkston. Ok. Signaler des excès de vitesse avec le radar. Le pistolet radar, t'as la même quête? Ouais. C'est quoi le pistolet radar? C'est ça? Non, celui-là, c'est une vraie arme. Wow! Mais regarde comment il fume! Alors toi, sale racaille, arrête de bouger! Oh la racaille! Alors toi, tes papiers! Écoute, je suis dans le rôle. Ici, on est un flic français. Hop! Pièce d'identité! Toi, t'as un couteau. Oh, t'as un couteau, fils de pute! J'ai bien fait, t'as vu! Un couteau à cran d'arrêt! J'arrive! Alors toi, écoute-moi bien, fils de pute! J'arrive! Oh mon dieu, le jeu va donner raison, c'est horrible! Taser! Au sol, alors là, écoute-moi bien, fils de pute! Alors toi, mon gars, toi les menottes! Le suspect a été appréhendé! Quoi? Patrouille terminée, votre partenaire a commis des violences policières. Ça réo? Je croyais avoir le taser et j'ai possiblement tiré une balle en pleine tête. Non mais c'est les risques du métier quoi. Je viens de tirer une balle en pleine tête à un civil. Toi t'as un bleu, c'est ta première mission non? Ça arrive. Le plus important c'est, tu gardes la tête haute. Tu récupères une petite boîte de chocolat, les miens c'est les Ferrero Rocher, ils passent très bien eux. Tu les envoies à la mère de la victime et tu t'excuses dessus. Tu mets désolé, c'était pas fait exprès. Désolé. Je viens de tirer dans la tête d'un mec que t'as choisi aléatoirement pour sa couleur de peau dans la rue. Kélian ! Oh la racaille ! Alors toi, tu crois que je l'ai pas vu, toi, ta chemise violette, tu l'as volée celle-là. Toi, tu l'as volée. Oh, comment t'es moche. Toi, t'es très très moche. Attention, tu perds des points si tu l'as pas vu faire de la merde. Hein. Ah, speed limit 35. Ah ah ! Pistolet radar, c'est toi, je prends le bon. 14 grammes de marijuana. Alors tiens, attention, la marijuana est légale. T'as le droit normalement à une once de marijuana. 14 grammes, c'est beaucoup, non? Je crois que c'est beaucoup. Il faut vérifier sur internet si ça représente beaucoup ou pas. Écoutez, mon cher monsieur, moi j'aime pas trop ça, les gens qui fument de la marijuana. Toi, je vais te noter, tiens. Alors, apparemment, une once, c'est 28 grammes. Donc, t'as le droit à 28 grammes de marijuana sur toi. Ah, bah, je l'ai menotté pour narcotrafiquant, ça a mis des points en plus. Hein. Ah, bah, c'est cool alors. Ça veut dire que c'est moins d'une once. Eh, voilà, arrêtez-le, madame, s'il vous plaît. Voilà. Kéké, vérifie-moi cette plaque là. Est-ce que ce serait pas une voiture à amener à la casse, ça là? Oh la racaille! Le parcmètre, il est comme. Le parcmètre, il est comment? Il est valide. Ah putain, il est valide. Ok, mais la racaille quand même! Tu prends une contravention. Non seulement tu payes, mais en plus tu vas la récupérer. Oh le taxi! Oh, 32, combien? 35, c'est bien, reste à 35. C'est bien. Les flics les moins discrets de France, ils se mettent sur la route pour contrôler la vitesse. Alors, regarde, il y a une voiture qui arrive, Kéké. 35. Tu t'arrêtes. J'avais pas capté. Tu t'arrêtes, c'est bien, tu t'arrêtes. Maintenant, tu lèves les mains, tu sors de la voiture. Non, on n'a pas encore ce qu'il faut, Kélian. Tu sors de la voiture. On n'a pas ce qu'il faut. Tu sors de la voiture. Et les cas sortent à lui aussi. Hein. On ne pensera jamais dans le jeu. Et on est les forces de l'ordre, on n'est pas les forces de l'ordre. Oui, Faut qu'on arrête avec cette ville de racaille en fait. Vous en avez assez, hein. On dit tu sors de la caisse, tu sors de la caisse. Oh. Alors toi. Te mets pas devant, ça les fait ralentir. 35, tu restes à 35, tu ralentis. C'est bien. Attends, tu sors. Handicapé, est-ce que t'es vraiment handicapé toi? Dis donc, monsieur. Dis donc, madame, quel est votre handicap? C'est les lunettes? Ce n'est pas un handicap, madame. Cette dame se déplace à 0 km/h, je pense qu'elle a un problème. Vous avez découvert un nouveau point d'intérêt, le bar Z. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt, le bar. Mais Kéké? Oui. Mais comment ça? Attends, on peut stationner ici? Wait, no parking. Ah putain, ouais, ça a l'air de pouvoir. Mais il est mal garé de ouf. Écoute, Sario, dans le doute, une dépanneuse. Mais les contraventions avant. Je n'ai pas le temps, Sario. Oh. Tu t'apprends la différence entre un bon et un mauvais flic, en fait. Ça, ton problème. Vas-y, à toi. Explique-moi. Le mauvais flic, il arrive, il voit une voiture, il l'examine, il regarde son parcmètre, il regarde sa plaque de matriculation, il met une contravention, il appelle la dépanneuse, il appelle sa daronne après pour dire qu'il l'aime. Le bon flic, il a pas le temps, il voit une voiture, elle est traviole, une dépanneuse. Oui, monsieur, mais chef, si on les fait pas payer... Oh, mais c'est quoi cette voiture, mec? Elle fume noire. Alors toi... Elle fume noire. Alors toi, la racaille. Alors toi, la racaille. On a vu la même chose. Wesh. On a vu la même chose. Non mais mec, c'est Voldemort, laisse-le. Non mais attends, wesh. C'est Ghost Rider. Putain, fais chier, on n'a pas les outils pour les empêcher d'avancer là, fais chier. Alors écoute-moi bien, cette personne est le chétan.
Tu meurs. Non, non, non. Félicitations, partenaire, on a éliminé le diable. Tu l'as vu comme moi, frère. Je l'ai vu, c'est un bon jeu. On était pas sur Police Simulator. C'était Portal 2, frère. C'est pas le bon jeu, c'est pas normal. J'en peux plus, putain. On n'a pas réussi à finir une seule patrouille. Bon, je fais les points bonus. J'ai compris que tu voulais pas utiliser le pistolet radar. Faut faire combien de contraventions? Le plus possible, le temps de notre patrouille. Vas-y, garde cette route, je vais prendre celle à côté. Est-ce qu'on aura des mitraillettes à un moment? Alors, peut-être pas des mitraillettes, mais je sais qu'on a des armes. Oh bah monsieur, on a les roues sur le trottoir? Ah, attends, fais voir ta plaque déjà. La plaque est bonne. Alors, monsieur, zone de stationnement. Et boum. Sario, je suis fier de cette ville. Hein. Personne ne fait d'excès de vitesse. Ah, mais tu es un très bon policier. Je suis très content de t'avoir en commissaire. Alors oui, j'ai abattu 3 personnes aujourd'hui. Mais il l'a fait dans le respect des règles. Ils le méritaient tous. Ils le méritaient tous. Putain, mais mec, ils sont tous bien, là. Ça me fait chier. Comment ça, il est né en 90? 90, ça veut dire il a 34 ans? T'as clairement pas 34 ans, mon coucou, t'as 20 piges, toi. Bizarre, mon cher monsieur, hein. On va vous fouiller. Oh, ok, bon, apparemment, je me suis trompé. Ah, j'ai juste plus 10 points SP, c'est-à-dire que j'ai eu juste. SP, ouais, c'est bon. Bah, du coup, il avait bien une fausse pièce d'identité, ok. Allez, toi, tu vas te faire arrêter, toi. Alors là, j'ai 2 voitures qui foutent de la merde. Ça fait des points gratuits, ça, j'aime bien, j'aime bien. Toi, tu t'es fait refaire le visage, toi. Toi, je le vois. Sexe féminin, Sims Anna. C'est un beau nom de merde. Oui, de ouf. Sims. Facture de blanchisserie locale. Ah, je crois que c'était écrit facture de blanchissement d'argent. J'ai fait ah. Ah, putain, je savais pas qu'on faisait des factures pour ce genre de choses. Ouah, le Terminator. Moi, je suis en train d'arrêter des pistons random. N'arrête pas les random, hein, tu perds des points hein, s'ils ont rien fait. Hein. Oui, mais à chaque fois, ils font des choses du coup. Bon. T'en es à combien de points de CP? 55. Oh putain, elle avait rien fait, j'ai perdu 20 points, 20 points. Cette personne vient de traverser illégalement. Madame, vous êtes tombée du trottoir. Amende de 25 euros. Oula, alors là. Oula, alors. Alors écoute pas bien. Il y a une ambulance qui va un peu trop vite là. Mais monsieur, il était mourant, je m'en bats les couilles. 35, c'est 35. Sexe femelle, Nasri Macarena. Nasri Macarena. Pardon madame, excusez-moi. Vous avez refait ma journée. Déclaré coupable d'harcèlement. Quoi? Alors toi, lui, tu le tues. Madame. Bon, et constater une infraction. Je vous ai vu marcher sur la route parce que vous êtes tombé. Petite contravention de 20 euros. Je m'attendais pas à que ce soit si cher. Bah, ferme ta gueule, allez. Tu sais que j'ai appris un truc aujourd'hui, c'est. Enfin, il y a genre quelques jours. Le télévideo de Thibaut InShape qui disait. Désolé de vous couper, commissaire, mais quelqu'un vient d'abandonner des déchets. Je procède à une palpation anale. Vous pouvez aussi le tuer. Merci. Alors, monsieur le commissaire, je vous ai demandé de le tuer. Oh, pièce d'identité expirée. Non, 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 tu passes. Tu cours pas, toi, enculé. Ok, je vais mettre une mission de 15 minutes, j'ai compris. Qui était un peu trop sensible de la gâchette, si puis-je me permettre. Il a fui. Oui, mais non, il a fui parce que tu lui as pointé un gun sur la gueule. Mais non, il a fui parce que tu l'as contrôlé. Non, 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 il a fui à partir du moment où tu l'as pointé. Ah, putain, mais il faut recontrôler les voitures, du coup. Arrête. Mec, si j'arrive pas à prendre une plaque avec tes conneries. Au final, la mission elle sera plus courte vu qu'on a ralenti le temps de la ouais, mission. Ouais, t'as raison. Au global, ouais, on a gagné du temps. Et parfois, tuer quelqu'un, ça vous permet de gagner un peu de temps sur votre vie. C'est génial, ça, j'adore. Ok, chef, est-ce que cette voiture elle est bien placée là? Je vais voir ça, chef. Chef, cette personne est suspecte, devrais-je la tuer? Elle a dit. Alors, écoute-moi bien, sale racaille. Elle a juste dit bonjour. Non, 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 c'est Kéké, bonjour, madame. Kéké, arrête, courez, madame. Alors là, courez. Toi, tu ne cours pas. C'est bonjour, madame. C'est bonjour, madame. Bonjour, madame. J'en peux plus. Elle a juste dit bonjour. Alors, hop, pièce d'identité, toi, pièce d'identité maintenant! Elle a l'air en colère, putain! En même temps, elle vient de se faire taser! Sario, viens me voir. J'arrive. Viens me voir et viens fouiller cette dame, s'il te plaît. Oh, je veux juste te laisser, moi! Madame, que faites-vous avec ces concombres? Eh, y en a deux quand même, hein! Madame, que faites-vous avec ces concombres? Écoutez, madame! Alors, attendez, je vais vérifier la pièce d'identité qu'il a contrôlée. Qui sont rangés où les concombres, madame? S'il vous plaît, dites-le moi. Madame, vous êtes en robe! Où sont rangés les concombres? Madame, partez, mais s'il vous plaît. Comment ça, mon keuf? S'il vous plaît, pour la salade de fruits de ce soir, épargnez votre enfant. J'ai perdu 10 points, mais ça valait tellement le coup! Bonjour madame. Je vais le démarrer cet enculé. Non, Kéké, s'il te plaît, elle a juste dit bonjour. Où sont vos concombres? Avez-vous des concombres? Vous ne possédez rien.
Ma pauvre. RT. Et il se passe quoi si on a 0 points de CP? Je crois que tu es considéré comme un mauvais flic et game over. Très bien, bah dans ce cas-là, je vais aller me cacher dans le coin de la ville, tu vas continuer l'émission. Personne vient d'abandonner. Madame ! Attends, t'as abandonné des déchets, connasse, et tu me salues ? Non, ça va pas se passer comme ça. Vous avez déjà fait de la merde, abandon de détritus, bah cette fois-ci c'est contravention, hein. Je suis désolé. Hein. Mon avocat s'occupera de ça ? Mais comment ça, madame ? Qui a dit ça ? La personne que je suis en train de contrôler. Qui a dit ça ? C'est elle. Oh la. Elle a racaille. Dit qu'elle était vraiment. Elle semblait tri. Oh la racaille ! Il a fait quoi ton avocat alors, connasse ? Que va faire ton avocat, dis-le-moi ? Hein, tu le dis plus, hein? Merde. Du coup, oui, avec 0 points, on perd la mission. Maintenant, on le sait. On le savait pas jusqu'à maintenant. Non, mais maintenant, on le sait. Jusqu'à maintenant, on le savait pas, ça, Ryo. Tu savais? Moi, non. Je te laisse contrôler les voitures. Je sais que t'aimes bien faire appel à la remorque. Ok, alors. Toi, tu t'es remorqué. Non, mais. Ah, vraiment? Attends, t'as mis plus 10 points. Oh, j'ai fait à l'aveugle. Attends, pourquoi elle s'est fait remorquer? Là, regarde, elle est pas valide. On était pas à jour. Alors, attends. On va annuler la remorque, là, pourquoi? Toi, non seulement tu vas prendre une contravention pour plaque périmée, mais tu vas en prendre une pour parcmètre non valide. Oh! Et là, on appelle la remorqueuse. Oh, mec, là, je viens de faire une série de coups, là. Ok, Bruno Brando. Comment ça, Bruno Brando? Bruno Brando, ça me dit quelque chose. C'est Dio, frère. Alors toi, tu vas en garde à vue, toi. Il a fait quoi? Il s'appelle... Il y a Brando dans son nom de famille, frère. Tiens, qu'il y en met fin à ses souffrances. C'est les souffrances de Sario que je vais agrandir, là. Je t'en supplie, j'aimerais qu'on avance un peu. Sario, on est à la deuxième partie de la mission, là, c'est bientôt. Il nous reste 63 points si on veut tenir. Oh putain, on peut le faire. Mais attends, mais là, c'est incroyable ce qu'on fait. Mais là, on fait notre vrai métier, je suis très fier de nous, là. Genre là, Sario, c'est mieux, je tire sur un random, là, maintenant, tout de suite, tu fais quoi? Franchement, j'arrête le live. Kéké, faut qu'on rentre très vite à la station de... Enfin, notre truc de police. Sinon, on va faire des heures en trop qui ne seront pas payées et ça va nous faire perdre des points. Il t'a fait quoi, le monsieur ou la dame, du coup De quoi tu parles? J'étais pas là. Ouais, de ouf. T'as fait quoi, le monsieur ou la dame, dis-moi? Il m'a mal regardé. Ah. Regarde très insistant envers une autorité des forces de l'ordre. D'accord. On est à la deuxième mission ou pas, du coup, là? Ah non, du coup, j'ai une dépression nerveuse. J'arrête la police. Je vis tous les jours la même journée.